Salut, c'est Jojo Benjamin, je suis tout le temps quand tu es là, Kaiwa Genetech. Nous venons continuer avec cours informatique. Et jeudi, nous allons parler de. Nous allons présenter aux zones de travail, là, bureau ou bien bureau, Windows ensemble avec macOS, pour qu'on comprenne plus bien. Et pour commencer, je vais afficher l'icône, avec celle des ordres, mais il y a une quantité d'icônes qui s'ouvrent. Et sur le bureau, mais ça pas fin. Ok, rapidement, nous allons présenter l'interface là très très vite. Son interface Windows, son interface qui est très simple. Il y aurait le bureau, il y aurait le desktop en anglais. Ok, il y aurait nos zones de travail. Et sur lui, et déposer fichier ou changer ou personnaliser fond d'écran, tout ça. Mais nous allons montrer l'autre bagage, ça, c'est dans l'autre vidéo. Et pour nous présenter. Et zone de travail Windows, on a commencé avec barre des tâches. Si on a regardé en bas là, c'est lui-même les barres des tâches. Sous lui, toute application qui est minimisée, il vient chita sous lui. J'en ai regardé un là. Et puis là, il y a un ça m'appelle bouton de démarrage, un bouton start. C'est dans barre des tâches, un bouton. C'est là lié. Et puis il y a une zone de recherche, ok? Lorsque sous lui qui permet tout capable de faire des recherches. Rapide. Et si nous regardons ce côté en là, nous avons ça, c'est zone de notification. Dans zone de notification, ou cas ouais, signal internet, ou comment lier, ou cas manipuler son, audio, bas volume, sinon réduire. Lorsque ce type fait ça, il permet de défiler et toute notification qui gagne, toute notification qui gagne, ok? À part de bas des tâches, là, nous avons regardé un bon petit dessin ça, yo, qui sous bureau. Hein? Là, nous avons le bureau. Espace vide, là, nous avons le bureau. Nous avons un bon dessin. Tout petit dessin ça, nous avons les icônes. OK? Icônes. Icônes, c'est des icônes d'application. Comme ça, tous les capables de fichier que vous mettez sous lit. Mais c'est des shortcuts. Et nous parlons de shortcuts, là, c'est des raccourcis. OK? Puis devant, on connaît bagage ça au bien. Après icône, nous avons un bureau. Tout simplement. Fond d'écran qui c'est bureau hein, que nous avons changé arrière-plan, j'en ouvre. Si nous avons besoin d'accès à bouton de démarrage, nous faisons un clic accès avec application. Nous cliquons sur le bouton de démarrage et puis nous avons accès avec application. Et l'autre opération va montrer nous faire encore. Si toutefois, tu as besoin. Déplacer barre des tâches hein? Et ma baille non en français parce que la majorité système aussi en français oui ma baille application en créole mais non en français barre des tâches lui-même si tu veux déplacer chose très simple parce que automatiquement il est toujours lock mais si tu as besoin de déplacer ou pas à mes côtés le placer hein? Ou aller dans au fond clic droit sur barre des tâches hein? Clic droit et puis là présente ton menu et puis on va cliquer sous log de taskbar. Ok, j'aime dire en anglais, on dit taskbar, barre des tâches. Qu'on a les lock, là, puisqu'il fléchit les lock, qu'on a défléché, qu'on a stabilisé dans les lock. Si on clique droit sur lui encore, après les défléchir. Ok, il n'est pas lock encore. Laisse qu'il parle, ou quand on clique go sur lui et vous draguez l'opération que nous fait, ou draguez dans une zone sur ta aussi ou vous voyez dans zone là et puis rapidement, dans zone là. Si vous avez mis dans l'autre bord, hein, par exemple, vous avez mis sur le bord gauche, nous, rapidement, il monte. Et si vous avez mis en l'air tout, c'est juste simplement draguer. Et si vous voulez retourner dans la place, li, on drague en bas, ou glisser sur, ou draguez, et puis, opération draguant, c'est. C'est une opération qui est très simple, n'a rien pour nous capable de montrer. C'est juste faire un clic gauche ou Kimbell et puis ou marcher souris. Opération très simple. Donc si m'a déplacé ça, Kimbell et puis ouais m'a déplacé. Mais comme marche et marche automatiquement, l'a tourné dans place. Il est tourné dans place. Bon, il est pas tourné dans la place lui, OK? Et ça opération drag et il me fait là juste draguer barre de tâches. Ok, n'a pas bloqué. Et c'est tout ça nous gagne pour présentation zone de travail au bureau Windows. Ça y est, Windows 10.
pour plus précis. Quand nous allons traverser dans la présentation macOS, l'interface macOS, là, j'en ai présenté. OK. Nous traversons là, qu'on est nous sous interface macOS, ordinateur Macintosh. OK? Quand un ordinateur Macintosh, il est même présenté comme ça. En l'air, nous regardons là, là, il y aurait les menus à pommes. Petit pomme, au tout bas, non, menu pomme. Et puis, là, lui-même, c'est menu d'application. Il y aurait l'espace à tout qui vient, toute information, ça, menu d'application. Et si nous traversons dans l'autre bord, là, lui-même, ça, c'est menu d'état. C'est lui-même qui gagne, même genre avec Windows, c'est genre de notification. Si vous connectez un Bluetooth, Bluetooth la monte, ou volume non qu'on monte et tout, mais quand tu n'as pas mal à les informations, ça va monter là dans la zone de notification. Ça, lui-même, il y a l'icône de notification. C'est lui-même qui permet de gérer notification. Pour l'instant, nous pas expliqué tout détail, entrer dans le détail, mais au moins, on a une idée. Et folder, c'est là, c'est icône. On est capable de mettre des raccourcis tout. Même j'en gagne raccourci sur Windows. Ça, c'est une icône. J'aime cadrer, me déplacer, me mettre de côté, me OK? Là, lui-même, il aurait laissé ça icône Spotlight. C'est un coup recherche là, dans la barre de recherche là. C'est un coup, si vous avez besoin d'informations information qui sont sur la machine là, ou aller directement, par exemple, abdé un dossier, m'a tapé dossier là qui est sur le bureau là. Rapidement, l'a affiché là, il est à montrer Genetech là. Comme son dossier qui est vide, il n'y a pas aucun élément là-dedans, et il n'y a pas. Il n'est pas affiché rapide et ce livre est trouvé, il n'y a pas aucun élément, il n'est pas affiché que un élément qui donc c'est un contenu qui est vide, d'accord. Et puis l'on aller en bas, après petit schéma ça qui en bas là qui gagne toute application sur lien relé li doc. Doc là c'est là qui héberge application installée, OK. Et puis il gagne poubelle tout ça. Si vous avez besoin et mettre une application, vous pouvez juste draguer l'application pour mettre dans ce doc là quand vous avez un raccourci. Ça c'est application raccourci application sur doc là, OK. Et doc là même genre avec barre de tâche, vous pouvez changer de position. Pour faire ça, vous pouvez aller dans menu pomme là ou dans système préférence. Là vous allez dans système préférence. Ou aller dans doc, ou cliquer sur doc, et puis là bas façon pour modifier doc là, ou qu'à modifier doc là dans Gosson, ou qu'à faire d'une plus gros comme ça tout, ou qu'à faire d'une plus petit, s'il vous plaît. Les mettez sur une sur l'inoué, genre la mouvementer pour mouvement ça fait, c'est magnification hein, mais activé. Je dois réduire pour me faire pas monter trop haut. Par exemple, je réduis la moitié. Voilà, il n'est pas monté trop haut. C'est un déplacé. Si je pousse le max, je mets sur le après, je pousse plus haut. OK? À part ça, pour déplacer donc là lui-même, ou juste font clic. Soit mettez là à droite ou font clic. Là, la droite. OK? Soit mettez à gauche ou juste cliquez sur à gauche. Là, la gauche. Et sinon, si mettez non place il est tout le même différemment que lui-même il pas en l'air, il pas en l'air, c'est trois positions ça il capte. Et si nous t'avlez tout, nous pas t'avlez well paraître pour nous cacher, nous devons cliquer sur automatically hard and show the dock et puis la disparaît, mais il là depuis descendre sur rien et puis la monter pour contre. OK, mais sauf qu'au cacher depuis descendre sur rien sur lui la monter pour compte. OK? Et puis interface à lui même c'est bureau, même genre avec Windows ou capable changer bureau à volonté, jongler, OK? Ben, c'est ça pour l'instant là, Nessico. N'a pas entré dans le détail dans l'autre leçon. On passe ou commencer gagner une idée de interface ni Windows ensemble avec macOS. Dans l'autre leçon, on n'a pas avancé plus, on nous faire plus opération. Merci d'être suivi nous et
Si vous pouvez abonner à la chaîne, n'oubliez pas de like, ok, partager vidéo ça pour les amis, les familles, pour être capable d'avancer, pour gagner plus de monde qui ont qui pas trop de connaissances informatiques pour apprendre ensemble. Merci, ciao. Et à samedi prochain, nous changeons date. Là, on a chaque samedi presque vidéo à sortir. C'est un plaisir de vous avec vous. Au revoir.